Salut les potos, bienvenue sur la chaîne. Bon ben ça y est, je l'ai le glitch, donc on va pouvoir changer nos plaques sans perte de véhicule. Donc vous réussirez environ 5 fois sur 5. J'ai fait semblant de réfléchir. Donc les potos, l'histoire c'est vous montez dans le camion avec votre custom. Vous allez bien suivre la manip, elle est nickel à faire, il n'y a rien de compliqué. Sauf que vous allez plus fail. Donc j'ai attendu un petit peu pour avoir vraiment la technique infaillible et je l'ai trouvée grâce à David. Merci pour tout David. Il est venu, il nous a expliqué comment faire en place. Donc là, vérifie bien mon numéro. D'accord? Mon numéro de plaque. On sort le téléphone, on va aller acheter une Elegy Custom, enfin une RH8, pardon. Donc on se met sur RH8 jusqu'au moment qu'on a le choix de couleur. Donc dès que vous avez le choix de couleur, avant de valider, vous allez spammer, donc ça, vous allez rester appuyé sur L2. D'accord? Là, vous choisissez la couleur, là, vous appuyez L2 avant de valider ici. Là, je vais valider dans le camion, je vais écraser ma voiture. D'accord? Donc là, désolé, j'ai oublié d'appuyer sur L2. Là, j'appuie L2, je valide ici. Je vais dans le camion mobile et je vais écraser mon Elegy Custom. Donc je reste appuyé sur L2. Et là, j'appuie sur triangle, mais je reste appuyé sur triangle. Voilà, c'est tout simple. Pour enlever les menus, une fois que vous avez validé, vous restez appuyé sur triangle. D'accord? Ça vous éjectera du camion à chaque coup. Et là maintenant, n'oubliez surtout pas d'attendre et de valider. Donc on va attendre la livraison et re-rentrer le véhicule dans le camion. Ou sinon, vous allez vous retrouver avec une RH8 si vous n'attendez pas la livraison. D'accord? Donc, vous pouvez changer toutes vos plaques comme ça. D'accord? Vous validez. En même temps, vous avez déjà appuyé sur L2. Dès que vous avez tout validé, pour revenir dans le menu en arrière, vous appuyez triangle, mais vous restez appuyé sur triangle. Vous faites pas lâcher et reappuyer. Vous restez appuyé direct. Ça va vous éjecter du camion sans fail. Ben voilà les potos, en tout cas je suis content là. Vraiment ça faisait un petit moment, je fouinais un peu partout. Heureusement le poteau il est venu m'expliquer comment il réussissait. Donc là j'attends ma livraison, je vais vous en faire une deuxième. Donc pensez à changer vos plaques. On dit plaque sale, les gars, c'est quand la plaque est toujours la même. Donc au bout d'un moment, Rockstar, il va vous baisser le prix, il va vous limiter à 1. Vous allez avoir que des problèmes avec les plaques sales. Donc changez vos plaques, même s'il faut, vous les changez juste avant d'aller les vendre. D'accord? Vous n'êtes pas pressé. Vous les changez une par une et vous ne serez pas emmerdé par la limite de vente. Donc vous aurez une limite, d'accord? Mais pas accélérée, quoi. Moi, je sais que sur ce compte, je peux vendre les Elegy à 19 000. Vous l'avez déjà vu. Donc c'est à force de vendre des duplications que j'avais fait avec Tuto Facile France. Où c'était des plaques sales. Donc genre, on dupliquait avec un seul véhicule. Et toutes vos duplications avaient le même numéro de plaque. Donc là, vous voyez, ça a changé. J'ai juste à attendre la livraison. Je suis livré. Je rentre le véhicule. Et le véhicule est fait. Donc là, c'est le premier changement. Je vais vous le refaire une autre fois. Donc là, je vais quand même sortir le véhicule comme je refais le même. Donc vous voyez, il y a marqué 316. On va le ressortir pour le débugger. Donc vous réussirez à tous les coups. Vous n'avez pas de risque de perdre de véhicule. Les gars, je pense que vous allez pouvoir mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications. Là, je vous prépare. Je vous ai fait un glitch que vous pouvez faire à deux sans rejoindre un ami dans une autre session. D'accord? Avec une visée différente.
Donc le glitch il est à peu près pareil que celui à 2, mais ce sera un bug différent. Donc là, on va dans RH8. Après avoir choisi la couleur, vous spammez L2. Une fois que vous avez spammé L2, vous validez tout jusqu'à temps que vous allez écraser avec la custom de votre camion. Là, je remplace, ok. Et là, j'appuie triangle, je reste appuyé sur triangle. Voilà. Dès que vous voyez la RH8, vous restez appuyé sur triangle. Et vous serez éjecté dehors, vous voyez, 851. Au calme, j'attends la livraison et le véhicule à la plaque propre. Bon, j'espère que ça va aider beaucoup, hein, vu que tout ce qu'on a dupliqué, la plupart, c'est des plaques sales. Là, vous êtes bien. Voilà. Vraiment content. Bon les gars, allez voir aussi les braquages. Donc j'ai une playlist de tous les braquages que vous pouvez faire en glitch. Donc avec les hélicoptères, avec des motos, avec des voitures de police. Voilà, c'est tous les glitches faciles à faire pour vous faire un max d'argent. Je compte sur vous, parlez-en autour de vous les gars. Fouet 1034, glitch fun. Allez, je compte sur vous, le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités. Gros big up au crew, à 10H. Les gars, on commence à être un bon paquet là, on est déjà une centaine. Et merci à tous ceux qui ont rejoint. Venez dans la description, les gars, vous avez le lien du crew. Voilà, on accepte tout le monde et espérons qu'ils grossissent. On a besoin de vous représenter, les gars. Changez vos plaques. Là, allez bien, je suis vraiment content. Encore gros merci à David VW qui est venu nous me voir. Il m'a dit, oh Fred, là tu peux montrer ça à tes abonnés. Tous ceux qui veulent changer les plaques, vous en perdrez plus une seule. Il a assuré le poteau. Gros GG à Dada. Voilà, sans vous les gars. Ça fait plusieurs fois que tous les abonnés, tous mes amis m'aident. Voilà, ça soutient à fond. Donc on est plusieurs à vous sortir. Des manips et me disent de vous les présenter comme ça on fait partager aux abonnés. Donc là vous voyez j'ai été livré, j'ai plus qu'à la rentrée et le véhicule est à moi. Et après vous changez, vous prenez notre Elegy custom et vous refaites la même manip. Restez bien appuyé sur triangle quand vous avez validé, écrasé ce véhicule et vous aurez pas de problème. Je vous fais une grosse bise à tout le monde, je vous dis à bientôt. Ciao ciao les potos.